Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot. Ben, salut à toutes et à tous, c'est Riveless pour un tout nouveau walkthrough, celui de Crash Bandicoot 3 Warped, ou Warped à l'anglaise. Enfin bref, sorti en 98, édité par Sony et développé par Naughty Dog, c'était évidemment la suite de Crash Bandicoot 2. Et sans plus tarder, nous allons donc commencer une nouvelle partie ensemble. Une partie ensemble, je veux bien, mais pourquoi j'ai fait une liaison ? Uka est libre? Non, c'est impossible. Malheur, un grand malheur est arrivé. Jamais personne n'a osé décevoir le grand Uka Uka. Mais toi, Cortex, tu m'as déjà déçu deux fois. Grand Uka Uka, c'est cet infernal Bandicoot. Du fin fond de ma prison-temple, je t'ai envoyé des instructions simples à suivre. Mais tu as perdu les gemmes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience. Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais, on a eu quelques petits... contre-temps. Et vous avez échoué. Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être... généreux. Il y a encore un moyen de rassembler la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois, le grand Uka Uka verra à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka Uka et Cortex veulent utiliser la chronotornade pour ramasser les cristaux éparpillés à travers le temps. Je t'ai amené ici pour qu'on retrouve les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail du temps, mets-toi sur un bouton et puis saute dans la porte. Bonne chance. Bon. Voilà, la petite scène d'introduction est finie. C'est pour ça que dans Crash Bandicoot 2, il faut finir à 100% pour avoir la vraie fin, puisque le Cortex Vertex, bien sûr, il tombe en mille morceaux. Et l'un de ces morceaux atterrit comme par hasard sur l'endroit où était enfermé Uka Uka. Donc là, vous pouvez donc voir les différents... je peux même pas appeler ça une salle, enfin je sais pas. En fait, là, l'endroit où nous sommes, c'est la chronotornade. Et on peut appeler ça des salles warp quand même, quoi, en petite référence. Ah oui. Bien sûr, comme je n'ai pas les cristaux nécessaires, je ne peux pas accéder à la suite, ce qui est bien normal. Alors, le système, c'est comme dans Crash Bandicoot 2. 5 niveaux, il faut obtenir leurs cristaux, affronter le boss pour pouvoir passer à la salle suivante. Et voilà. Et une petite nouveauté aussi, par exemple. Ouais, déjà on peut jouer avec Coco. Et aussi si vous regardez dans les récompenses, ici il y a un cristal, une gemme et une relique. Alors les reliques, j'en parlerai plus longuement plus tard, parce que
Bah, c'est particulier, elles sont utiles, mais pas maintenant. Crash, crash, crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Eh, moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu vois? On verra bien assez vite qui est le plus fort. Ouais. J'ai envie de dire le résultat est couru d'avance. Allez, c'est parti. Alors, bon, je me demande si c'est nécessaire de refaire une présentation des caisses. Enfin bon. Alors là, il y a un poulet là. Alors ça, ces caisses-là, ce sont des caisses élastiques. Et la nouveauté dans celui-là, c'est qu'au lieu de donner une pomme quand on saute dessus, elles en donnent deux en même temps. Enfin, au lieu d'une pomme, ouais, deux. Et je... Ouais. J'ai l'impression que là... la gravité, enfin je crois que ça a un petit peu changé la gravité tout ça. C'est moins cheaté comparé à Crash Bandicoot 2, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il faut attendre un poil plus longtemps avant de refaire une attaque tournoyante. Enfin bon. Alors voici une caisse particulière, celle-là. Il faut la frapper le plus vite possible. J'appelle ça des caisses clignotantes parce que bah, elles clignotent et après elles deviennent une caisse en acier si on la frappe pas assez vite. Alors ces caisses-là, ce sont des caisses tout ce qui est de plus normal. Là, il peut y avoir une vie dedans ou plusieurs pommes ou une seule comme là. Bon, lui, je le frappe. Ça, c'est le chemin bonus. Ouais, je sais bien que généralement les gens quand ils regardent des walkthroughs, ils s'attendent à regarder les épisodes d'avant, mais on sait jamais. Donc voilà. Alors ce niveau bonus, c'est tout ce qu'il y a de plus bidon, hein. Voilà. Je fais ça en speed. Ah, aussi, belle nouveauté que j'apprécie dans ce Crash Bandicoot, c'est regarder le nombre de caisses. Ça affiche le total. C'est pratique parce que bon, Crash Bandicoot 2, même si on pouvait voir le nombre de caisses qu'on avait dégommées, on ne pouvait pas voir le nombre de caisses qu'on. Le caisse totale du niveau. Voilà, la grenouille, tu sors de l'écran, tu ne m'embrasseras point. Ah ouais, et aussi quand tu récupères un cristal. Bah voilà, ça fait un petit comme s'il y avait la lumière divine qui s'abattait sur toi. Alors là, vous courez très très vite pour dégommer ces caisses-là. Voilà, comme ça, j'en récupère les fruits en masse. J'ai la gemme et je peux retourner à la maison. Donc voilà, là notre but encore une fois, c'est de récupérer des cristaux, mais pas sur Terre, enfin... Si en quelque sorte, mais on récupère les cristaux à travers les âges. C'est-à-dire qu'on voyage dans le temps. C'est un peu le thème de ce Crash Bandicoot là, c'est le voyage dans le temps. Donc c'est-à-dire qu'on va rencontrer, ben là comme on a vu, on était dans l'époque médiévale. Là, on va être sous l'eau, alors je sais pas quelle époque ça pourrait représenter. Là, l'Orient Express, c'est à la Chine médiévale. Alors là, l'époque préhistorique. Et là, bah, à l'époque des pirates, je pense. Bref. Je vais faire quel niveau? Et je vais faire celui-là. Un petit niveau avec Coco, tiens. Alors, les niveaux avec Coco, généralement, c'est pas des niveaux où on l'utilise proprement dit. C'est-à-dire qu'on peut pas... La seule action qu'on peut faire avec elle, c'est sauter. Et on peut aussi se déplacer. Yeah, yeah, yeah. Bon. Alors bon, les commandes sont les mêmes que lorsqu'on utilisait l'ours polaire dans Crash Bandicoot 2. À la différence que lorsqu'on utilise les boutons pour pouvoir faire une charge de fou, et ben, elle continue de charger comme une bourrine. C'est-à-dire que dans Crash Bandicoot 2, ça faisait une charge momentanée. Et là, on peut la tenir tant qu'on veut. Bon, là, si vous voyez, c'est vachement dur. Faites gaffe à pas tomber dans les trous. Alors, comme dans Crash Bandicoot 2, vous pouvez parfaitement mourir. Mourir, parce que bon, donc c'est plus comme dans Crash Bandicoot 1.
C'est-à-dire que ne pas mourir n'est plus une obligation. Sauf dans certains niveaux où on devra quand même faire en sorte de ne perdre aucune vie pour pouvoir accéder à des parties cachées. Soit pour obtenir des gemmes. Ah mince. Bon allez, je fais ça en speed, parce que je parle et tout, mais... Voilà. Ouais, je vous ai montré comment on peut y aller à la bourrin. Ouais, mais j'ai peur de rien. Voilà. Bon, j'ai déjà perdu le masque, c'est super. Bon. Et je vais déjà vous laisser là. Ouais, bah, je pense que c'est déjà bien, quoi, pour une première vidéo, l'introduction et deux niveaux. Alors, dans la partie prochaine, dans la deuxième vidéo, je ferai sûrement Under Pressure. C'est, bon, là, c'est un niveau assez spécial, c'est qu'on sera sous l'eau. Là, Bonyard, bah, c'est à peu près les niveaux où on se fait courser par un boulet. Là, il faudra courir. Et là, c'est un niveau spécial en jet ski. Donc, en fait, cette première salle est... Non, elle est comment ? Elle est riche en nouveautés. Et bon, il y a plein de nouveautés, comme je vous ai dit, il y a les reliques que je vous montrerai, enfin je vous expliquerai leur utilité plus tard et comment on les obtient. Enfin tout ça, il y a plein de trucs, ça sert à rien que j'explique déjà maintenant, puisque bah, c'est le début. Là dans un premier temps, je vais me contenter de récupérer tous les cristaux. Et les gemmes que je peux, parce que de toute façon j'étais obligé, il y a des gemmes que je pourrais pas avoir du premier coup. Comment rallonger la durée de vie d'un jeu? Refaire les niveaux qu'on a déjà fait. Donc ce sera tout pour le moment. J'ai dit de pas regarder Secret Story, ne le faites pas. Et donc voilà. Et peut-être que. Non, j'arriverai peut-être pas à faire le boss la prochaine vidéo, enfin bref. Je vous laisse ici, merci d'avoir regardé cette première vidéo de Crash Bandicoot 3, et à la prochaine pour la suite, salut !